Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, à décryptage, il y a différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. Vraiment, à cette réunion, il y a Conseil supérieur, il y a Défense, il y a présidé par Mokonzambouka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un certain nombre, il y a décision, il y a prise, notamment un retrait immédiat, il y a militaires rwandais dans le sol congolais, mais également si cela n'est pas respecté, cessation, taux annulation, il y a tous les accords, toutes les conventions qui ont été signées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce que cela sera possible? Est-ce que le Rwanda va obtempérer cette décision de la République démocratique du Congo pour ne pas quitter sol congolais? Est-ce qu'il faudra aller par la force, c'est-à-dire force militaire, pour déloger tous ces rebelles au Bazali, na Bunagana, au Bazali, dans différents coins irréguliers? Coin, il y a frontière, il y a République démocratique du Congo. Est-ce que tout cela sera possible? Mais également, invalidation. Il y a 5 députés nationaux qui ont été invalidés par l'Assemblée nationale, notamment Adolphe Mozito, Marie-Ange Mouchebekwa, Tozali Henri Mova Sakani, Bazali invalidé. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est un règlement des comptes comme le pensent les uns? Ou bien la procédure a été respectée? Donc, complètement solo, on a fidèle internaute, il y a Congo Live Télévision avec l'analyste politique qui est connu. Il s'agit d'Eddy Kabea. Eddy Kabea, analyste politique, Mboka Nabiso Congo. Eddy Kabea, Mbote Nayo. Mbote Ndebo Maxime Makabo. Vous allez bien portant? Très bien portant. Ndekoudi Kabia, cette décision, il y a Conseil supérieur, il y a Défense présidée par le chef de l'État, c'est un retrait immédiat, il y a militaire rwandais, la seule congolais, mais également pour probabilité, il y a cessation, il y a annulation, il y a tous les contrats, toutes les conventions où ils ont signé avec le Rwanda. Comment au Moni ces différentes résolutions ont prises lors il y a réunion, il y a Conseil supérieur, il y a Défense? Mais je crois que c'est vraiment une décision louable pour l'intérêt supérieur de la nation. Vous le savez bien que Est et Abmo Kanabiso, Ezala qui est un peu dérangé par les instigateurs mal intentionnés qui voulaient à coûte que coûte mettre fin à la présence de la population en Kuna, créer une politique de terreur pour que la guerre puisse continuer. Vous savez, Maxime Makab Nalobara, toujours qu'il y a aujourd'hui deux éléments qui paraissent y déterminer nos malheurs aujourd'hui. C'est d'une part l'attrait à richesse Nabiso du sol et du sous-sol. Il y a également la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Ces deux facteurs, ils ont expliqué multiples ingérences, problèmes, quels que soient les accords, quels que soient les projets de ratification. On n'a aucune solution par rapport à l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois que la décision du chef de l'État est une décision morale très louable dans la mesure où, bien que l'identification et la décision, on a sa posture en termes de solutions pour la paix, mais je crois qu'il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Je crois que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte différentiel, il y a menace qui s'actualise à son sein. Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Je crois que est-ce que c'est possible? Est-ce que Zali possible? Est-ce que Rwanda a obtempéré le Bunagana? Zali sous contrôle, il y a armée rwandaise, il y a M23. Au moment où peut-être vous n'êtes pas informé, au moment où nous parlons, les FARDC ont maintenant récupéré les territoires à Bunagana. La cité de Bunagana. Oui, oui. Au moment où nous parlons, les FARDC se dirigent vers le Rwanda. Vous savez, l'armée à Sikoyo, l'armée à Kala, où il y a un régime passé, et un élément roté. Parce que vous avez vu le cas à Mounza Mabe,
qui a eu à faire une guerre jusqu'à même aller jusqu'au Rwanda pour attaquer Bango. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bapé c'est mort de Rodazonga. Et puis à la fin, c'était l'empoisonnement à Koufi. Mamadou Ndala nous en dit plus. Mais aujourd'hui, bah, mort d'ordre est athée. D'abord, tu as besoin d'accéder par le ratissage Yaba. Yaba, oh, Babé Narabanani, bah, très très. Parce que vous savez, Ndeko Maxime Makabu, l'armée congolaise, elle a armé jusqu'à. Elle a trahi jusqu'aux dents. Il y a. Parce que lorsqu'on appelle. On dit que c'est une guerre asymétrique, non conventionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toujours bunda guerre moro à plusieurs fronts. À plusieurs fronts, là, il y a la population qui est dedans. Une population qui peut-être bah, continue à bouger banana pour contre Mbokana Bango. Il y a même des députés nationaux qu'on les a cités. Parce que Mbosso les avait dit, quitter les groupes armés. Tout récemment, ah ouais, ouais. Parce qu'il y a toujours une liste, députés nationaux, Mbosso, fois cité, à c'est une affaire de la justice. La justice, à un moment donné, elle va instruire pour qu'elle va poser une arrestation. Tu fais une assemblée nationale, Loana. Tu fais une à un moment donné, tout le monde a député Mbosso, il y a Massissi. Député Moussoussou, à Apera, la Massissi, Mwanga Chichou. Amati, il est monté au créneau, député Wana pour de nos habits. Au moins, je vous parle, moi, Namboka, Mwanga Chuchu, Azako, Azoko entretenir les groupes armés, la SR République, Azan, la société Nemobo, il y a Coltan, il y a un homme qui entretenir les groupes armés. Yemoka gagne, président, Naloba, Yaya Loba, boy. Yemoka, je suis à dénoncer ce que non, Namna, Nabango, Teza, Yemta, Nabango. Donc, ça prouve la suffisance que. Nous sommes trahis jusqu'aux dents. Et cette situation va se terminer d'ici là. Parce que va très très armé. Parce qu'il a Gébango, guerre Rwanda. Et aussi là, s'il faut possible, on va aussi faire la guerre au Rwanda. Peut pas créer ni un moronette mur de Berlin pour que le Rwanda ne puisse plus accéder au sol de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi c'est à travers l'Ouganda. Et puis, c'est à travers les défis lancés, et pas d'abord par les FARDC, avec les majors Ndima, dans la situation, dans l'union, il y a opération effacer les tableaux à Salango, autrefois, dans Bangui, dans Centrafrique. Il a fait aussi avec les Rwandais. Au moment où nous parlons, il y a des dés, il n'a pas parlé là-bas, Rwandais, dans l'union, il y a des bousses, il y a découvert Pau, Bako, Taka, pour déstabiliser. FARDC a bêté qui, tout le positionnement, plus de 500. Militaire rwandais Bakoufaki. Il y a des deuils dans la Rwanda. Là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce qu'ils sont animés d'une mauvaise foi. Parce que pour eux, c'est un défi. D'où, il faut attaquer Bunangada. Maintenant, ils ont attaqué. Au moment où nous parlons, les FRDC a maintenant les contrôles. Il y a cité Wana Mubimba. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que c'est possible. Accord de ratification sur les autres accord relatif, il y a ceux qui nini, sur les autres. Nous devons mettre fin à une telle situation. Parce que toute chose de nature à perturber l'ordre public et à offrir les lits ne guère pas de perspective intéressante quant à la bonne marche en Boka. Dans ce que Mme Mouye est allé, la convention, il y a ça. Il y a une position, il y a des criers, il y a un contrat, un accord secret, dans Rwanda, aux alliés pays agresseurs, Nabiso. Est-ce que c'est maintenant le temps d'annuler toutes ces conventions, d'annuler tous ces accords, de déclarer la guerre avec le Rwanda qui nous agresse par le dos? Vous savez, moi, Mboka, Maxime Makabu, la République démocratique du Congo aujourd'hui a eu la chance d'avoir un président de la République, d'abord un chrétien, un patriote, quelqu'un qui a l'amour de son pays. Félix Tshisekedi ne peut pas signer des accords secrets, vous le savez bien. Batou, en fait, père Onam, il y a Moussé Laurent Désiré Kabila qui avait signé des accords secrets avec le Rwanda. Et la situation qu'on a aujourd'hui, ici au Congo, la situation des guerres récurrentes, c'est Moussé. Musée et puis Joseph Kabila. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo. La culture africaine, le Maramabe, a monté sur la confité. Non, Musée Kabila, Azan a bien naïe, a salapé bien, mais il nous a amené une situation où nous sommes maintenant incapables de résoudre cela. Gloire à Dieu, mais fort, il y a Félix Tshisekedi, cette situation va se terminer d'ici là. Mais le comble, c'est du fait que
babiso kaka ni to respectera ba accord de près na ba accord na bango ba convention na bango nous elles ne peuvent pas respecter nos accords, vous comprenez, parce que na Nairobi on a négocié. Le président de la République s'est humilié même pour négocier avec les rebelles, pour qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et ils ont violé ça pour attaquer nos militaires, nos vaillants militaires. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est possible pour que afin que le pays puisse retrouver sa situation normale, son état initial. Mais tout le monde est qui, Mokolo Lobby, hein, cette population enthousiaste, déterminée à en finir avec le Rwanda. Ceux qui disent, politique, ben, t'as la gaz d'acrimogène, t'es, ben, n'y a pas côte à la Rwanda, côté, ben, si, là, n'a pas Rwandais. Au moins, la détermination, est-ce que cette détermination accrue, cette détermination manifeste, y a Congolais, est-ce que les loyaux, les communs, a été nos envahisseurs, nos agresseurs, ben, qu'on arrivait, n'a pas fait, n'a pas. Je crois que c'est un signal fort. De la part de la population, de la part aussi nous sommes très déterminés. Kagame représente quoi? Le Rwanda représente quoi? Un petit pays comme le Rwanda, ça représente quoi face à la RDC? Vous savez pourquoi Rwanda zo ganga les lois zo ganga? C'est parce que d'abord ils ont un niveau à brassage tala mouté mamabe ya Joseph Kabila tala mouté mamabe. Vous comprenez? Bemba, vous savez, la guerre qu'a mené le président Jean-Pierre Bemba, et la guerre Moko, il y avait aussi des Ougandais qui ont aidé militairement le président Jean-Pierre Bemba. Mais les Ougandais, le président Jean-Pierre Bemba n'avait pas accepté que va brasser en armée. Il n'y a que les militaires congolais qui ont été brassés. Mais le cas est assez dégommant. Le cas est Nini, il y a militaire au Kabila, le Afdel. Ce sont des Rwandais qui ont été brassés. Et puis, comme il dit, la tête, il y a pays. Tout le monde a un général. Général, hein? Il y a Congo. Il y a Congo. Il y a Rwanda. Il y a général, on a Rwanda. James Kabareb. Est-ce que c'est normal? Si Macron a une affaire étrangère. Oui, aujourd'hui, on ne sait pas en Abisso. Toute cette situation, vraiment, c'est déplorable. De voir une telle situation, ils ont prévaloir dans le Abisso. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. Les Rwandais, qui sont à la tête du pays, qui sèment la terreur et la désolation, ils ont la tête armée en Abisso. Ils vont quitter. Maxime Bissotébi, Nakala, Généraux, Toganeti, Mounza Mabe, Général Maele, Likulia, Eluki. Vous comprenez? Des généraux congolais. Mais le lot au commun, au Moucharouganda. Général Moucharouganda. Général Bibitikuira. Général Makukukura. Donc tu vois que ce sont des Général Leco. Général, comme on a vraiment, est-ce que ça doit nous donner matière à réflexion? Ça doit interpeller notre conscience. Mushiraganda, Oka général. Emmanuel Mushiraganda, Tabachata Yav, ou bien Tamboué. Pour Bissoto et Baran Gaza Congolais. Ok. Rwanda va envahir Bissot en Ningo Saranate. Makikakuku. Marororara. Tout ça pour nanini, pour na quoi envahir Bissot afin de récupérer d'abord l'est de la République. Parce que ce qui s'est fait là-bas, c'est pour créer la paix dans les chefs de la population et la terreur. Afin que la population soit monibongo, alors que les enjeux du monde aujourd'hui, c'est l'est de la République démocratique du Congo, les coltans. Tu comprends? Parce que le lot, ordinateur, caméra, tout ça, il y a écran placement. Rwanda est comme première politique, il y a coltan. Il y a société raffinée. Il y a or. Mais où est-ce que tu as dit? Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, il y a des chômeurs qui sont en Rwanda. Comment peut-on faire?
Bani n'a pas raffinerie ou on a bani n'est pas le souter. Ni zinpe a ya raffinerie. Comment vous avez ça la site que vous kuna? C'est là ce que vous avez ça ma. Oyo kasko yo là bah au classé classement bah il y a bah plus grand exploiteur dans le monde au monde que Rwanda a ça souter. Parce que moi n'a mboka Félix c'est parce que les gens ignorent ce que Félix fait. Nous avons un bon président. Un bon président, je vous dis, peuple congolais, nous avons un bon président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un bon président, plus que les autres. Donc, quand ça te dit que non, pas pour prendre un attitude dans le sec, non! Comme Félix Tshisekedi, il fait trop pasteur. Non! Trop pasteur, il dit que tu m'as mis. Mais vous connaissez pas tellement, il y a 12 mois de dictature, pour le Makamo qui est de Malonga. Bon, tout le bazar, le bagage, non, Félix Tshisekedi a signé des contrats avec les Rwandais. Il a signé des conventions pour attaquer Mboka. Mais Dieu est résolu, et là qui sera gagné, Félix est déterminé à mettre fin à la guerre à l'Est. Il est déterminé à ne pas balkaniser la RDC. Mais les gens ont crié. Tout ça, ce sont des discours politiques, politiciennes, pour Nanini, des discours moroboyés pour pousser les chefs de l'État à bout. Alors que les chefs de l'État, très humbles, très conscients, et puis il sait comment, parce qu'il maîtrise la situation politique, économique, sociale, militaire, Yamboka, afin de dire. À ce temps-là. Maintenant, les gens là, au bazar que non, ils ont opté pour la politique des hautes toits de là que j'ai mis mettre. On comprend? N'attends pas comment là-bas. T'as pas comment là-bas? Monsieur Kézé, t'as pas comment là-bas? Alain Bolodjo. Alain Bolodjo. Pour ce pengé. Nani. Bon, Martin Fallou, Nicolas, dosé. Mon mouvement que non, moi, n'a pas quand Félix Tshisekedi dit. A même pas discours là-bas, on est dosé vraiment. Goutou, on ne se voit comme derrière le phare. Mouzoutou, Goutou, n'en parlons pas. Mouzoutou, étant un ancien premier ministre, un analyste, Satalima, c'est monsieur en avenir pour Namboko. Nous, on doit le soutenir. Yo, Gasco, ma discours, pas à Pambano, yo, Kaka, Manamboka, Félix, c'est gay, Ategui Mboka, Nabarwande, ou après, c'est Pengue. Ategui Mboka, Nabarwande, Asalibo, Yekaka. Ce qu'on a habité. Au lieu de donner des matières pour l'avancement du pays, il y a ça qui est comme ça, il y a un non, c'est tout ça. Mais vraiment, c'est une situation déplorable, situation yaba étranger dans le cannabis, et ça va se terminer bientôt et d'ici là. Est-ce que ça sera seulement ces guerres, hein, ces jeux de ping-pong, Bazu Bounagana, Tobotoli Baro Bounagana, Bakina Routur Bakangi, Tobotoli Baro Bakina Tchouz Bakangi, mais il faudra ce qu'on puisse nous écouter, que nous soyons conquérir ce que le terrain à Rwanda, le terrain à Zamboka Moké, toi qui n'es pas content, toi conquérir ce que le terrain à Baro. J'ai un ping-pong exacté, tu vois, Félix Tshisekedi dit c'est un président de la. Au moins, il n'y a pas de Rwanda, il n'y a pas de Rwanda depuis qu'à là. Félix Tshisekedi dit c'est un respectueux des lois, des textes, un homme à sa élégance politique, mon habité, extraordinaire. Mais attendez, elle dit non. On a signé des accords. Chacun devait limiter ses. Respecter ma limite. Et n'ont pas fait ça. Nous avons attaqué. On va attaquer et vous verrez que. Parce que. Attaque à Bounangada, c'est le Rwanda et le Uganda qui nous a trahis. L'Uganda. Uganda, tout ça, opération conjointe. D'ailleurs, les députés ont émis les vœux de voir. Vous comprenez? Nini. Tokatana Bango à travers la loi d'habilitation, une loi qui après sa prise au gouvernement, l'autorité, les pouvoirs, une grande partie à pouvoir pour diriger les opérations à l'est de la République. Ils ont souhaité que non, après 15 jours, on doit renouveler l'état de siège, mais non, là c'est le gouvernement qui a toutes choses entre ses mains. Et vous verrez que bientôt, il y aura une déclaration de guerre par le gouvernement, par le président de la République, et bientôt nous allons mettre fin à cette guerre à l'est de la République. Par conséquent, c'est les aléas. Conséquence, dans toute guerre, il y a toujours les aléas. Mais je crois que, oh, il y a Congolo, Bakoufi, Ming et Koki. Parce que nous avons les FARDC. Il faut que nous nous sentions. 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 Il faut que nous 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 interpeller à tout bout de champ et nous permettre également d'aller loin pour mettre fin à Makamboana. Donc cette lumière d'espoir, il faudra
cause un lien d'espoir que la paix sera restaurée maintenant de façon définitive. La paix, parce la que ça n'est plus d'une décennie hein, de politique abîmée. Vous comprenez? Même s'il y a des tireurs de ficelles dans Mamboa Guerre, Félix Tshisekedi va mettre fin à la paix totale dans ce pays. Vous comprenez? Donc laissez-lui le temps de bien digérer les choses et vous verrez. Tout ça, président Momala, pour Félix Tshisekedi, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il n'y a que les gens qui diabolisent un bon président comme Félix Tshisekedi. Vous croyez que Félix Tshisekedi peut vendre ce pays, peut balkaniser ce pays? Félix Tshisekedi a dit qu'on a armé Nino Rwanda. Par quel mécanisme? 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 Société à la raffinerie, on a le Rwanda comme les plus grands exploitants, à Banini, tout ça. Et il y a un régime en Inde. Tout le monde a vérité. Ayons le sens à l'histoire. C'est Joseph Kabila avec ses acolytes qui ont vendu les pays, qui ont foutu les pays en moule. Et qu'aujourd'hui, si le pays a des sérieux problèmes, c'est à cause d'eux. Félix Tshisekedi n'a fait qu'hériter une situation qui lui reste. Et je tiens à mettre en mal pour concrétiser bien son programme d'action. Vous comprenez? Donc je crois d'ici là, tout sera mis sur pied pour mettre fin à une telle situation. Est-ce que tu as dit que dans l'Ouganda, il n'y a pas de l'opération conjointe. Il y a qu'on a trahi Rubiso, Baba, Kibawa, Kipe, Bunagana. Est-ce qu'il faudrait aussi rompre cette relation avec l'Ouganda? Les accords de coopération, Wana, défense militaire, réunion au chef de l'État côté Naba généraux. C'était pour mettre fin à toutes ces décisions. Ouganda, pour qu'il n'y a aucun dé. Azo Kende. Mais parce que là, on va aller pour le moment. Et puis, il y a eu Baraké, à Kofuta, 12 milliards, hein? C'est quoi, je crois, le montant. C'est 12 millions, 12 milliards de dollars comme ça. Oyo, à Kozaki, Baton, dans ma désolation, dans Kisangani, il doit payer ça. La guerre, il y a 6 jours. Avec le RCD. Oui, RCD Goma. Ouganda doit payer, doit nous payer tout cet argent-là. Aïe Barango, comme il nous a trahis. Et puis moi, je suis venu. Il est monté au créneau pour dire des bêtises. Dans comme mon abisso. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? L'enfant de Mousseveni. Et puis aujourd'hui, il fait des déclarations pour nous rencontrer Félix Tshisekedi après avoir trahi nos forces militaires là-bas à l'est. Les chefs de l'État. Oh, il y a lobby qui ne sont pas touchés au Rwanda hier au déstabiliser RDC. Le Maxime Macabre, le chef de l'État, est beaucoup plus déterminé pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous verrez bientôt à Rodio Kabangote, bientôt il y aura la guerre. Et puis si le Rwanda Bameki, Torokotanakati, vous savez l'histoire à Biarimana. Vous comprenez, le président Mobutu à l'époque. Oui, à ce qu'il dit, Atina, combien de militaires il y a d'ESP? Combien de militaires il y a d'ESP? Mais il n'est pas à la guerre. 5 cacres. 5 cacres. Bah, qu'il y a Rwanda. 5 cacres. Et bien, l'été. Rwanda, bah, neutraliser Rwanda. Bah, vous avez bien, Biarimana, bah, il y a noir. Est-ce que pays n'est Rwanda, il y a tel manabiso? Et le matin. Bon, notre offensive. Non, on a des problèmes. Bon, c'est un défensif. Bon, défendre le territoire. On a des problèmes. Mais vous n'attaquez plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Rwanda, comme le roi, la supériorité face à RDC. Maxime, comme on a vu que la guerre, c'est une guerre asymétrique non conventionnelle. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre que le monde de la guerre et de l'après-guerre est devenu un monde dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois, hein, quand je parle de la bipolarité, je fais allusion aux rebelles ou aux forces de défense à RDC, aurait permis aujourd'hui que les conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation soient étouffés. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Aujourd'hui, il faut faire la guerre asymétrique, voir la population, voir les traîtres qui sont au Parlement, voir également les traîtres qui sont au sein de l'armée. Il représente quoi, l'enfant de Mousseveni? Vous savez pourquoi le chef de l'État avait accepté cette opération? Il y a les ADF Nalu qui constituent un danger pour l'Ouganda. Et
les ADF Nalu. Il constitue un danger pour l'Ouganda. Alors le chef de l'État, tu as dit non. C'était sur demande de Museveni. Tokota pour récupérer l'ADF Nalu et te neutraliser. Chose qui a été faite. Mais malheureusement, à notre grand étonnement, tout le monde a boué. Le même Ouganda, il va pouvoir en débuter sur les dos pour récupérer Mounangada. Dieu merci. FARDC va récupérer en haut et puis je crois que tout va aller dans les bons sens. Le député Nyonso Mbosso, la dernière plénière au Mbosso à l'obéité, le député Nyonso, de votre bague de Tangi, il est trop démasqué, pourquoi vous allez arrêter? Est-ce que vous n'avez pas arrêté à solo? Les hommes ont souhaité, il faut avoir l'immunité parlementaire. On met des alliés là, il y a violence. Oh, bazali ko violer, bazali ko teka ba information, ba stratégie, oh, ils allaient faire n'importe quoi. Maxime Makabu, vous savez, dans ces pays, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. Oh, tu as oublié Bangoukouté, mais les lois avec, sous l'avènement de Félix Tshisekedi, Makamwa n'est commis. Vous comprenez? Mais, oui, mais que, ne vous m'adisez, madame, les autres ont zangaï. Et quand ça va, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, on a l'IGF, hein? L'IGF. Qui a permis aujourd'hui qui est ma performance dans ma société n'est pas DGI, ma DGDA. Aujourd'hui, mon Mati, la réserve, les accoutures au Lobaté. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a décaissé un fonds pour la guerre à l'Est. Et aujourd'hui, pour Bakanga, ma député, on a les traîtres. Laissons la justice faire son travail. Il y a un temps pour toutes choses. Bah au Kanga Bango ils seront arrêtés. Nous les savons très bien. Bah mon ananas pekaga. Bah Bango Pekaga. Bah immunité parlementaire. Non, mais c'est ça la procédure. L'immunité parlementaire, ça couvre un député. Mais cela ne lui exempte pas la bêtise. Vous comprenez? Bah immunité parlementaire. On a le fameux Mbosso qui est là, le président de l'Assemblée nationale, qui va procéder à la levée d'immunité parlementaire à bas députés en bas traite. Et puis, ce sont les mêmes députés en bas bureau, en bas comme mon bas généraux. Bas députés, bas comme mon bas généraux. Bas comme mon bas généraux. Là, j'attends un autre combo moko. Où est notre député moko monaie? Mwanga chuchu. Député Mwanga chuchu. Mwanga chuchu. Na parlement. Comment est Mwanga chuchu? Claude Nyamugabo. Ouais, papa, dans le cabinet, on a vu que des Rwandais, moi, je suis un morphologien à tout le monde. Tout le monde a Rwandais. Comment on a Nyarugabu? Nyarugabu, il y a Kombo. Nyarugabu, c'est Congolais. Papa, c'est Congolais. Ça laisse beaucoup à désirer. Congolais, wapi. Congolais, vous avez un massissi, vous avez ouvert. Ce sont des Tutsis. Des Tutsis Congolais. Baza ba Rwandais, papa, ce sont des Rwandais. Oh, boutique à Blo Rwanda, ma Congolais, soit des Rwandais. Et puis, je vais voter loi habilitation, moi, dans KMB. Un député national, KMB, à l'Obini. Ah, même dans l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple, il y a des Rwandais. Va doit le milieu, tout ça. Mais, c'est vrai, ce sont des Rwandais. Ils sont là. Bientôt, la justice va se saisir de ces dossiers pour mettre fin à ma situation. Bah, traître, bah, moi, on s'est dévoilé, bah, on s'est dénoncé, donc, c'est un peu ça. Donc, on dit qu'à Béa, tout le monde a dit qu'il y a une invalidation. Invalidation, il y a un député qui a été nommé à Bango. Henri Mova, Sakane. Marie-Ange Mouchebekwa. Papi Niango. Adolphe Mozito. Lik Moulimbalimba. Basali, Basili, invalidé Bango. Pour na koyate bazali ba santéiste ba yaka na plénière té, est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est un règlement de compte de mon sous sur l'obi été les ali ordre et à présence de la République? Est-ce que c'est mérité ko invalidé ba ngo? Maxime Makabu, lobby FCC, il a réfuté à tout point de vue invalidation ba député wana. Tout ça, on a Moussa là, il y a eu Moussa là, il y a raté. Au salaire, au salaire, il y a CCTV.
un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, une année, deux ans. On a raté, dis-moi. Il est désarmé. Ah, oui, il a raté. Si il s'en aille, il va bénéficier d'un avantage. On s'en va manger. 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 Mais Valéli, Marie-Ange Michel Bocas est ministre, ça n'est pas. Avantage, ils ont, n'importe que non, même Dada, Jeannette Kabila, Léli. Allez, vous venez, il y a le mot, qui est à Zoulé la pour la bande de haut. Pour la bande à Zoulé là. Il a pleuré, Valéli, n'importe que moi, n'importe que nani, comment on est nani. Mouli Malimba. Félix Kabang et Numbi. Félix Kabang et Numbi. Bah ça lui déclare ça bah on est là-bas panzani na l'année voilà mon gars Félix Kabang et Numbi mais les journalistes qui ont eu à valider ouvrir votre manifestation et validation bah ça motivé t'es ah mais mon frère tout ça motivé t'es toi tu peux pas me montrer nini ils ont pleuré mais comme singa mais surtout ça bah coup nini na vie mais tu pleuras de les lâter mais bango bah les lit. Je crois que c'est une bonne décision. Nous sommes pas moni même nanda quoi. Ce papa longo msala ça fait très mal. Vous comprenez? Ça fait très mal. Mais c'est la preuve insuffisante que il faut qu'il y ait de l'ordre na maman moka. Mais maman Moscou Marie Ange Moshibe quoi Ruby. OK, azali azuba soupçon et outil la présidence de la République mon quoi va conseil bi bango ne mutu ba orchestre bon pour ben valider. Et à dire que Bella a eu l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas l'invalider. Donc, outil, n'a pas eu tweet, n'a pas eu déranger le régime. Quelle réflexion! Il y a Moutouni Tsari, Marie-Ange Mouchebe, comme Moutoua Maillé, les bons mots. Qu'est-ce que la présidente de la République a à faire? Qu'est-ce que la présidente de la République a à faire dans Makambouana? Non? Bah maintenant, on va se justifier. Il y a même des gens, oh, comme on a bango zalaka, mais quand ils se sont justifiés, bah monique, c'est normal, ah, bah tiki bango. Mais pourquoi seulement bango? C'est que bazar oyate. Bah puis ça, bah mais c'est moi là qui ça va justifier, bah puis ça va justification. Justification. Parce que tu sais que dans l'histoire, on a Daniel Safouba zalaka. Mais ça faut y aller plénière. Zalaka pourquoi? Parce que Daniel Safouba zalaka comme moi, Daniel Safouba qui n'a pas se faire soigner na Afrique du Sud. Reconnu par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais le loyo, Daniel Safou, a zoni nae, bah dit qu'il a raison. Daniel Safou n'est pas invalidé. C'est par contre ça va recours, bah comment la question, bah invalidé, bah à tort, bah quoi ça recours. La situation oyo, bah quoi ça recours, l'Assemblée nationale, ils doivent aller attaquer la décision au niveau du Conseil d'État. Ah, bah il est Conseil d'État, nego. Faut maintenant se le souder. Il faut pas qu'il y ait un conseil. Long procédé. Que c'était Zaga, bon. Bonjour, Maxime Akabo. Bon, on a tiré la paix, bah, si plein d'épaules. Bah, ça, j'ai un bon mon ébélé. Est-ce qu'il faut qu'on bas à la caca? Oh! Bas à la caca? Ah, t'es. Mais, bah, t'as qu'à un conseil. De quoi tu peux aller, ou y a-t-il? De quoi d'œuf, Mouzito? Mais par rapport à la procédure irrégularité, il y a la procédure comme les cris des uns, Bobby déjà, il y a une réunion stratégique pour la Lélo pour la trouver, pour riposter contre cette décision. La commission mise sur pied pour invalider les députés, Esaïki, ça n'a pas regroupé, bah député
il y a majorité, mais c'est faux. Quand il y a député, il y a un député, commission. Non, c'est faux. La commission a statué sur les cas. Et aujourd'hui, on a des résultats. Il y a une relation avec Félix Tshisekedi. Pour mesure tout le long, quand il monte au créneau, il félicite le travail des titans bâti par Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est en fait ça. Donc, je crois que la validation a sa raison d'être pour... La validation, mais l'invalidation. Eh, pardon. Vous avez validé, bon. L'invalidation, moi, il y a 11 arames, Tamaël, j'ai compris. L'invalidation. Babel a reçu en d'autres termes. Hein, à part invalidation, les cas d'absentéisme, l'absentéisme absent, nous on est bon à l'État. Absent. Oui, on a un autre, nous on est bon à l'État. Les morons sur l'État. Nous on est bon. Finalement. Finalement, c'est quoi au juste cette situation? Yawana, ils sont aujourd'hui boutés dehors, donc c'est regrettable. Donc on dit Kabila, est-ce que la bandit la lueur y a bafénioso. Est-ce que réélection il y a fallu tu sais qu'il y a 2023. Oui. Est-ce possible? Oh, Maxime Akam, vouloir ou pas, Félix Tshisekedi va gagner les élections parce qu'il y a des choses où il y a sali, papa. Bilan et sali. Tu sais, il y a des priorités à gouvernement et salami, tout ça. Tant que mon ami a chanté, il y a un prince, il y a un asphalté. Tant que mon ami a c'est sous l'impulsion, la vision de Félix Tshisekedi. Tant que mon ami a DGDA, DGI, il a accroître la performance de Bango. C'est sous le leadership du président de la République, la gratuité de l'enseignement. Le retour du pays dans l'institution de Bretton Woods, BAD, Banque mondiale. La baisse à la prix à l'avion. Il y a des exemples qui sont légion, ils sont belés. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi possède un leadership à la dimension du pays. Félix Tshisekedi travaille pour l'intérêt général de la population. Félix Tshisekedi est un président pas comme les autres. Félix Tshisekedi est très déterminé à amener la République démocratique du Congo dans l'émergence, il y a total. Sous Félix Tshisekedi, le Congo est délivré, le Congo restera délivré, et le Congo va rester pour du bon délivré. Babi, Joseph Kabila, il a pris en 2023, hein, tout le monde a dit, Babi, population, allez-y, Joseph Kabila, Zonga, 2023, hein, adversaire à Félix, il y a un détail, où on revient. Joseph Kabila, dans son régime, la corruption était érigée en système de gestion. Ça, c'est Joseph Kabila. D'abord ça. Joseph Kabila, dans le régime Naïe, il y a eu une floraison des arrestations des journalistes. Je dis bien, la floraison. C'est sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila, il y a eu des tueries en masse. C'est sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila, il y a des détournements de deniers publics dans Moko. Sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila, on a téléphone, on a fini à Joseph Kabila. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que Félix Tshisekedi est injurié à tout bout de champ. Il y a des gens qui font des intimidations. Il y a certains journalistes qui sont aussi arrêtés. Non. Il n'y a aucun journaliste. Oh, il va arrêter. Yves Bouya, les cas, Yves Bouya, Tali Félix, c'est dans la corporation. Vous comprenez? Et ça, baninga pour mettre fin dans Makambouana, tout ça, Israël Mutombo, ce sont des amis, ainsi de suite. Mais du temps de Joseph Kabila, c'était plus pur. Une crise à outrance. Papa, Joseph Kabila a déjà fait son temps et il a démontré déjà ses limites. Joseph Kabila n'a plus le droit de retourner. Et puis, oh, il y aurait un batate.
sénateur à vie, et on aura titre honorifique, alors que c'est constitutionnel. À vie. À vie. Et comme banque, c'est FCC Makasi. Batalobi, à moins que Joseph Kabila, à Koufa, a ressuscité, aille au postulé. Mais quand aboué, alors qu'à vie, postulé, à vie. À vie. Félix, c'est que tu peux soit si mandat na e, alors comme un sénateur à vie. Tout seul, on peut maquiller l'État. De quoi dit Kabila? Non, Mobutu. Na Kabila, Mouzé Kabila. Na Félix Tshisekedi. Na Joseph Kabila Kabangi. Nani o yomonyete à travers yé Mboka et Zaliko Kéliboso. Toba ni nom na Mobutu. Na Liboka ni la Mobutu. Mon habité que nous avons fait un exemple. Na Lobi à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Mboka et Kéliboso. À travers Félix. Félix Kaka. Joseph Kabila était. Nous étions. On a même eu la situation. Tous les gens. Félix, tu sais que dit Lombo. Moi, na ya maman Marthe. Oto ebe pa na bango yende. A bon samboko, il va délivrer le pays. Malobaya Souka, on a dit pas en tout cas. Malobaya Souka, peuple congolais, nous devons être déterminés face à l'agression. Il y a RDC na Rwanda. Le Rwanda nous a agressés. Nous devons éliminer l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est le Rwanda. Le Rwanda, à travers ses ramifications. Par ramification, na ezanim, na armée na biso baza, na banda na biso bazali, na banzela na biso bazali. Nous devons les bouter dehors. Rester branché na président Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Un président qui est déterminé de développer la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un président indispensable, important pour Namokao. Et vous verrez, quand vous soutenez le président de la République, tout va aller dans les bons sens. Et vous verrez que le développement du Congo, c'est sous l'impulsion et le leadership du président Félix. Mesdames et messieurs, c'est par ici de tout ce point final. Monsieur Abissou Mokolo, de Zaki Foma et Sengo, Yakou Yambelabino, Edi Kabila Zali, analyste politique. Toton Dio Boutondi. Merci, mon amour, Maxime.